Salut à tous, c'est Lunaris. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur la présentation du bruit que, enfin du bruit, du son que fait une Ducati 748. Donc vous allez voir que c'est une machine qui fait un bruit assez particulier. C'est un bicylindre desmodromique, donc typique, une technique typique de chez Ducati. Et vous avez en plus un embrayage à sec, c'est-à-dire ceci. Vous allez voir que lorsque le moteur démarre, cette pièce se met à tourner, ce qui est très esthétique, et ça génère un bruit bien particulier. En plus, cette moto est équipée de pots d'échappement thermique Noni, qui ont un son absolument magnifique. Donc c'est une machine donc 748 cm3, bicylindre de 1993. Donc, je vais la démarrer tout de suite pour vous montrer un peu le bruit que ça fait. Donc vous avez pu entendre qu'à chaque fois que je tire sur le levier d'embrayage, on entend l'embrayage à sec, mais il se met à faire des clac 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 clac. Parfaitement normal, c'est le principe de l'embrayage à sec hein, qui fait ce bruit. Certains détestent, d'autres adorent. Moi je sais que je suis vraiment fan de l'embrayage à sec. C'est très très esthétique et ça fait un bruit typique, inimitable sur une autre machine. Alors je vais faire quelques accélérations maintenant pour que vous entendiez bien le bruit de l'échappement thermique Noni. Donc voilà, comme souvent sur les gros bicylindres Ducati, hein, ça a tendance à caler un petit peu quand c'est à froid. Je vais la redémarrer juste après. Donc vous avez pu entendre le son de l'échappement, le son particulier de l'embrayage à sec de chez Ducati. Si vous avez des questions concernant cette moto, donc la Ducati 748, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires de la vidéo YouTube ou sur l'article sur mon site ontestetout.com. A bientôt.